Salut à tous et à toutes, on se retrouve donc aujourd'hui pour une nouvelle news sur WWE 2K15. Donc oui, je sais, le jeu est sorti aujourd'hui donc sur PS3, Xbox 360, mais je vais parler un peu donc de la version next gen. Donc il y a eu des questions hier soir, donc à 22h heure américaine, il y a eu quelques questions pour la version next gen. J'ai essayé de prendre le maximum. Pas maximum, mais le truc le plus intéressant. Donc, tout d'abord, une news qui va me plaire et qui va plaire à tout le monde. Donc, vous vous rappelez des Superstar Heed, donc les têtes de Superstar, qu'on pouvait modifier. Donc, sur Xbox 360, il y a exactement les mêmes que sur 2K14. Vous en rajoutez juste 2 ou 3. Ah ben, sur Next Gen, sur Xbox 3, Xbox One et PS4, vous pourrez personnaliser tout le roster. Superstar et Diva, ah, ça c'est beau les gars, ça c'est beau. Personnaliser toutes les tunes Superstar, par exemple, on pouvait pas personnaliser, Randy Orton, je crois qu'on pouvait pas, si on pouvait le personnaliser. On pouvait pas personnaliser par exemple Damien Sandow, voilà. Vous voulez mettre le dernier de Damien Sandow, ben vous pouvez le faire, ça c'est bien. Ça c'est bien, sauf qu'il y a eu une autre mauvaise nouvelle pour nous. Pour possesseur de Next Gen. Oui, sur PS3 et Xbox 360, il y aura donc 100 emplacements de co. Comme sur 2K14. Nous, étant donné que c'est un Next Gen, on s'est dit, il y en aura à peu près 200. Eh ben non, Chucky nous a dit, donc, sur PS4 et Xbox One, on n'aura que 25 emplacements de co. Oui, c'est de la foutage de gueule. Oui, c'est du foutage de gueule. Aussi, pour eux, ils disent que si tu modifies une Superstar, par exemple, tu fais un Superstar Id et que tu le mets, ça sera un emplacement. Mais, étant donné que s'ils font comme dans 2K14 et que quand tu modifies une tenue de Superstar et que cette tenue-là, tu la mets ça fait un emplacement de cours. Que tu la mets dans une de tes tenues, une tenue alternative. Je pense pas que ça prenne en compte, mais j'ai peur, parce que 25 emplacements, c'est un peu de l'abus, je pense. Ils l'ont confirmé, donc j'espère que c'est qu'une rumeur et qu'ils vont nous faire autre chose, parce que 25 emplacements, c'est un peu de l'abus, je pense. En tout cas, c'est tout ce que j'avais à dire. Ils nous ont aussi dit que dans la journée, donc aujourd'hui même, il y aura donc une vidéo avec les Ouzo en action, donc pourquoi pas un gameplay avec les Ouzo, l'entrée, signature et finisher des Ouzo, pourquoi pas, ça serait bien sur Next Gen. En tout cas, j'espère que cette courte vidéo vous aura plu. Laissez un j'aime, un commentaire, abonnez-vous si c'est pas déjà fait, et on se retrouve très très vite pour une prochaine vidéo. Allez, tchuss, bye, à la prochaine. Peace out.